Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Prince of Persia, The Lost Crown. Alors avec mon accent tout pourri, et en plus je m'excuse d'avance. On fera ça plus tard. J'ai la gorge un peu sèche. Ça commence à me gratter là. Je vais aller à la pharmacie, je pense, après. Parce que sinon je sens que... Ben, je finirai avec un mal de gorge d'ici demain. Alors... Ça, déjà... C'est plutôt pas mal. On va mettre ça pour la vidéo. Et on va laisser comme ça pour la vidéo aussi. Mais vous avez vu qu'on avait plusieurs paramètres. Ça affecte plusieurs paramètres. Donc le jeu sort le 18... Là, on est sur la version de luxe, mais on verra ça après. Les plaines du Fars étaient devenues aussi arides que le sel du désert de Lout. À quelques tirs de flèches de Persépolis, les Kushans, guerriers sanguinaires venus de l'Orient, attaquaient la Perse affaiblie. Les soldats perses défendaient leurs terres, quel qu'en soit le prix. Ardashir résistait héroïquement, mais ses hommes étaient tombés un à un. Anahita jetait ses dernières forces dans la bataille. Evishka, le général Kushan, savait que la victoire était assurée. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume. L'un d'entre eux allait devenir une légende. Alors, bon, comme je le disais, la version Deluxe est dispo à partir du 15. On est sur Xbox Series X, et du coup, j'ai pas reçu le jeu, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties le 11, puisque c'était la fin, on pouvait publier les vidéos à partir du 11, mais j'ai pas reçu le jeu, donc du coup, je pouvais pas vous faire ça avant. Il y avait la démo qui sortait pour la fin de l'embargo, mais je me suis dit, on va attendre d'avoir le jeu, et puis... J'avais aidé mes guerrières blessées. On fera une grosse vidéo sur le jeu, parce que je sais pas si la démo dure longtemps ou pas. Je check juste la capture en même temps, hein. J'espère que ça va aller. Normalement, ça devrait. Bon, même, vous voyez, chez Ubisoft, même quand c'est des jeux avec un peu moins, on va dire, d'ambition et de budget, on a quand même une VF. Donc ça c'est plutôt cool, il y a même de l'allemand, enfin il y a plein de... Ok. Toc. C'est assez réactif et tout. Donc on verra après en combat, hein, évidemment. Mais pour l'instant... Bon là, c'est des sacs à PV, hein. C'est... Évidemment, on est sur un tuto. Mais c'est assez... assez réactif. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de m'installer autrement parce que je me fais mal au dos. Voilà, donc on a... On a une parade.
que je peux l'envoyer sur les pics ou pas. Bon, faut les enchaîner, hein. Bon, on peut visiblement quand même un peu utiliser le décor, hein, parce que... Ah, attendez, j'arrive pas à me placer. Allez, on va le suivre gentiment. Plus de flèches ! Allez, cours, Argo ! On doit éliminer ces archers, Kushan. C'est pour moi ! Faut casser la gueule des archers. Moi, je cours, mais à un moment donné, je vais peut-être me faire stopper. Voilà, par exemple. T'en as eu combien ? Je te laisse passer devant pour que tu rattrapes ton retard. On peut attaquer vers le haut aussi, c'est pas mal. J'ai quand même pris une flèche et vous avez vu les dégâts que ça m'a fait ? Moi, j'ai pas les attaques de mon collègue là. Hein. Ah, lui, il les dégomme. Une flèche finito. Hop. Est-ce qu'il faut qu'on continue d'avancer ou pas ? Non. Alors, c'était scripté. Fallait continuer de les dégommer. Je vais augmenter un petit peu le gain du micro. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin, mais j'ai l'impression que la courbe est quand même un peu faible. Soit après, je le retravaille derrière. Je mets un compresseur, par exemple. On va essayer de le dégommer avant qu'il me mette une flèche, parce que visiblement, ça fait quand même des dégâts. Hein. Quand même faire attention à ce qu'on fait. Ouh là là. Ok, bon ça. Ne les laissez pas s'approcher du général Mishka. On va y casser la gueule à ton général, je crois. Allez, finito. Bon, puis après, j'imagine qu'on va débloquer des techniques, qu'on va... Leur général ne doit plus être loin. Je m'occupe de lui. Tiens, tu pourras en avoir besoin. Nouvel objet obtenu, potion de soin. Ok. On va pas l'utiliser pour le moment. Vishka, tu peux plus te cacher. Y'a un gars qui vient de se faire, comment on peut dire, flécher à la porte, au mur. Ça pique un peu. Ah, donc j'ai des attaques chargées. Bon, on va avoir un premier boss. Je suis pas sûr que je puisse bloquer toutes. Non, voilà. Je suis pas sûr que je puisse bloquer toutes ces attaques. Donc on va quand même essayer de faire attention. Ouais, ça fait mal quand même. Hein. Ouais, en fait, j'ai l'impression que je peux pas bloquer du tout.
Ah si, là. On va essayer d'esquiver plutôt quand il fait ça. Ah, qu'est-ce qu'il va me faire là? Ok, donc là faut appuyer au bon moment. On va y casser la gueule. Wow. Ouais, bon. Les attaques chargées là, c'est pas vraiment. Il m'a défoncé. Non. Oh putain, je voulais me barrer, j'ai pas eu le temps. Bon. Game over. Je ferai des cuts, hein, évidemment. Ta mère. J'avais te taper très fort. Oh oui, là. Je l'ai tapé très fort. C'est toi que la mort a choisi. Chez. Le va chercher la merde. Notre puissant protecteur a quitté le ciel de Perse. Mais nos ennemis qui pensent pouvoir en tirer profit doivent savoir que les plus courageux guerriers du royaume sauront leur faire face. Il y a 30 ans, l'oiseau divin Simorgue s'est posé sur mon épaule. Ainsi, il m'a désigné pour guider notre peuple. Aujourd'hui, moi, Tomyris, reine de Perse, je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varam, toi et tes guerriers avez une fois encore sauvé le royaume. Hassan, le prince de Perse! Avance, jeune Sargon. Tes exploits résonnent le long des murs de Persépolis. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. Sargon, le Rachabar. Je n'ai pas choisi ce nom. Ah là là, j'avais coupé le micro dans la cinématique. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, Prince Hassan. Oublions tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire. C'est ouais. Entendu, Hassan. Bon. L'étoffe royale. Une des plus hautes distinctions honorifiques. Est-ce que ça apporte quelque chose, des stats ou quelque chose, ou est-ce que c'est juste... Là, on peut parler à un perso, on va regarder. Équipement. Ok, apparence. Par défaut, ça c'est pas mal, mais ça aussi c'est bien. Je crois que ça c'est dans la version de luxe, hein. Je suis pas sûr que ce soit normal. Je peux mettre ça ? Ouais, c'est pas mal. Exploration, qu'est-ce qu'on a ? Ok, là on peut parler à lui. Ton nom inspire l'espoir chez les Perses et la peur chez l'ennemi. Belle réputation. Peut-être. Ouais. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus. Mais je dois accepter mon destin. Mais ouais mon gars, t'as pas le choix. C'est la vie, c'est comme ça. Varam, à part nous, les immortels se sont éclipsés. Ils sont sûrement déjà sur les toits pour fêter ça. Le faste du palais, c'est pas vraiment leur élément. Vas-y, Sargon. Je vous rejoins dès que je peux. Ouais, on va aller faire la fiesta. Un petit peu, parce qu'on vient de sauver tout le monde, là. Tu t'es bien battu, Sargon. J'ai terrassé Uvishka.
Persépolis est sauvée. Vraiment ? Des milliers de morts sur le champ de bataille. Nous n'avons plus aucune ressource. La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. Tu appelles ça une victoire ? J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Après, si tu veux, la prochaine fois, j'interviens et pas, je vous laisse dans la merde. Personne en travers de sa route. Alors il se demande... Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame ? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse ? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ou alors peut-être autour d'un verre ? Viens avec nous. Merci. J'ai autre chose de prévu. Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers, Sargon. Je sais. Et tu le verras. Bon, vous m'en voulez pas, il y a mon téléphone qui sonne. Écoute, Varam. J'ai oublié de couper le son, je sais pas si on l'entend. J'ai oublié de couper le son. Il y a une carte ou quelque chose. J'ai pas l'impression. On va aller voir par là. Ok. Attendez. Hop. Ah ouais, après on vise comme ça. Ok. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal foutu. Ah, ils sont là, mes potos. Je te jure, si ça se trouve, le prince Hassan, c'est mon fils. Sinon, un con. Arrête, Orod. Il te ressemble pas du tout. Il tient de sa mère, c'est tout. Orod, t'es pas son genre. Pas le genre de qui ? Ah ! Le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Ouais, je suis là. Le héros du jour. Le nouveau protégé de la reine. Alors ? Tu fréquentes l'aristocratie maintenant ? Tu cherches à troquer tes épées pour devenir un satrape ? Allez-y, lâchez-vous. Mais rappelez-moi, qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà ? Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Ah, il a raison. Tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Ouais, j'arrive. Attends. On va causer aux autres quand même. Avec toi ? Oui, il est encore dans la salle du trône. Probablement pour récupérer notre solde. Quel solde ? Artaban se fait payer uniquement en vieux parchemin. Je t'entends, Ménolias. Ah ouais, mais bon, tu déconnes un peu si c'est le cas. Pas mal. Comment ça, pas mal ? Encore quelques années, peut-être, peut-être, tu pourras te mesurer à un adversaire sérieux, comme moi. Je pense que tu veux juste pas te faire botter le cul là devant tout le monde. Tu peux toujours rêver, gamin. Va voir Nate, elle t'attend. Ouais, on va aller la voir, mon petit pote. T'inquiète pas pour ça. Alors ? Tu te rappelles encore de nous, maintenant que t'es célèbre ? Ouais, bien sûr. J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Ah, je vois. On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place. À sa manière. Tu sais, c'est incroyable ce que t'as fait. Tu peux être fier de toi. On l'est tous. C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan. Bravo. Ah, il est là, ça y est. T'es aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours été fait pour la grandeur et la gloire. Et avec le dernier haut fait de Sargon, on va encore remplir les livres d'histoire. On a sauvé la ville. Le peuple a retrouvé la paix. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va fêter ça ? Ah, je veux dire, là où on sert le manger et le boire. Varam, tu viens avec nous ? Je ne rate jamais ça. Varam ! Le prince Hassan s'est fait enlever. Ah bah, on n'a pas fait la fête longtemps. Bon, je parle pas beaucoup, hein, je vous laisse profiter de la VF et tout. Il faut retrouver le prince Hassan. On va y aller.
Ah, eux aussi, ils vont commencer à me faire des trucs qu'on peut pas... On peut pas parer. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, attendez. Une énergie sacrée qui brûle dans chaque être vivant au combat. Les plus grands guerriers peuvent contrôler leur atra, intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'atra tandis que subir des dégâts en fait perdre. Est affiché par une jauge en haut de l'écran. Une fois la jauge pleine, ouais, on fait LTX. D'accord. Ah ouais, ça peut... Ça peut faire mal, en fait. Après, je trouve parfois que c'est... un peu compliqué de savoir quelle... quelle attaque on peut parer... et quelle attaque on peut pas parer. Vas-y, mais... tu vas rester par terre, toi, ou comment ça se passe? C'est assez dynamique, j'aime bien, c'est pas mal. Après on voit qu'il y a quand même une certaine difficulté et que ça va être peut-être un peu exigeant par un moment. Et qu'il va pas falloir y aller trop comme une brutasse non plus. Ce qui est pourtant ma caractéristique à moi, c'est d'y aller comme une brutasse. Te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Écarte-toi. Qu'est-ce qu'elle me veut, Power Rangers, là? C'est quoi ça? Toujours un enfant. Ah bah cours pas dans le truc hein, idiot. Moi je vois une nana qui est capable de faire ça et de faire apparaître un truc par terre comme ça, je cours pas dedans quoi. Mais si cet idiot. C'est exactement ce qu'il a fait. La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Mon dieu. En plus il a un bouclier. Je sens qu'il va bien me faire chier celui-là. Aïe aïe aïe. Double esquive, non, j'ai pas réussi. J'ai bien compris en plus hein, qu'il fallait esquiver celle-là. J'ai bien compris, mais pour autant, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, il vient d'exploser en morceaux. C'était qui? J'ai cru apercevoir Anahita. Est-elle impliquée? Oui, c'est bien elle. Aucun doute. Varane, ouais. Rassemblez vos guerriers. Partez immédiatement au mont Kaf pour retrouver le prince Hassan. Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces. Ils auront besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur nous, Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi mon fils. On va faire ce qu'on peut.
L'ancienne citadelle. Anaïta a emmené le prince derrière. Je ne comprends pas dans quel but Anaïta a pu faire ça. Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça n'a aucun sens. Elle a toujours été loyale. Ouais. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Le dieu Simorg a disparu, mais il vivait là, au mont Kaf. Il y est depuis toujours. Il y est peut-être encore, j'ai appuyé trop vite, pardon. Il nomme les rois et les reines. Anaïta veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan ? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorg ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Et oui. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorg comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorg est peut-être affaibli. Une chose est sûre. Le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas long. Oh, ça faut jamais promettre, hein. On peut pas savoir, hein. Bon, on aura des quêtes secondaires, donc ça c'est... Voilà, ensuite ça on en aura d'autres, des éclats. Après c'est vrai que par contre, bon on n'a pas de carte, vous me direz, c'est normal. Pour l'instant c'est un peu entre guillemets de la ligne droite. On aura d'autres équipements. On va peut-être continuer un petit peu, mais on va pas aller trop loin. Après, je vous laisserai découvrir le jeu. A savoir que le jeu, il est dispo aussi sur Switch, par exemple, et que même sur Switch, il tourne à 60 images secondes. Vous allez me dire, c'est pas une claque visuelle, hein, mais c'est quand même bien que même sur Switch, il tourne correctement, on va dire, à 60 images secondes. Après, je l'ai pas vu tourner, donc je sais pas si c'est vraiment stable et tout, mais en tout cas, ils annoncent 60 images secondes. C'était le palais du roi Darius autrefois. Religion, médecine, astrologie, géométrie, algèbre, tout le savoir était ici, accessible à tous. Ouais, bah ça a bien changé. Kaf abritait l'immense citadelle de la connaissance, fierté de toute la Perse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en est jamais revenu pour le raconter. Et c'est là que le prince Hassan est pris au piège. Difficile de dire ce qui nous y attend. Ok. Eh ben, allons-y alors. Courons vers la mort. Je sais pas, j'ai l'impression que je peux pas monter pour l'instant. Non. On va continuer par là, c'est pas grave. J'ose pas trop sprinter parce que je me dis c'est vraiment il y a un ennemi là. C'est je lui fonce dessus direct. Je suis guerrière, Sargon, pas mage. Figée en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté. Ouais. C'est vraiment bizarre. It's very chelou, comme on dirait. Nouveau lieu découvert, basse citadelle, ok. Je vous dis ça alors que ça s'est affiché il y a 30 secondes au moins. Soyez vigilants, le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y. Il y a beaucoup de morts, en tout cas.
Ça devait être un endroit cool avant que tout le monde soit mort comme ça et que ça parte en vrille. Varam, c'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ses chairs sont putréfiées depuis longtemps. C'est impossible. Ils sont partis juste avant nous. Ouais. C'est très bizarre. C'est la magie voodoo, vous croyez ? Nous ne sommes pas les bienvenus. Soyez sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anahita. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul. Pourquoi moi j'ai toujours le droit au truc chelou ? On sait pas à quoi ça va servir pour le moment. Mais bon. Ouais, les attaques chargées, faut vraiment... Putain. Merde, j'ai plus de vie au fait. En fait, même... Ça fait un peu genre entre guillemets comme Dark Souls, même si c'est pas du tout le même genre de jeu. Même contre des ennemis un peu genre lambda, si on fait pas attention, on peut vite se faire. On peut vite se faire éclater sa barre de santé. Regardez tout ce que j'ai perdu déjà. En jouant comme une brutasse et en faisant pas attention. Non, faut vraiment être vigilant par rapport à ça, mais j'ai plus de potions en plus. C'est quoi ça? D'accord. Est-ce que je descends? Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas aller en haut là. Alors, oiseau de la connaissance, ceci manque détient la clé de toute vérité, il est gardien du temps et des destinées, il veille sur l'équilibre de toutes choses. Ses plumes résident le pouvoir infini, son vol protecteur amène la paix et la prospérité sur la Perse. Bah, vu le bordel que c'est, il doit être mort le machin. Celui qui a la chance d'être touché par son ombre est protégé à jamais des forces du mal, et le malheur s'abattra sur celui ou celle qui lui portera atteinte. Ok. Je sais pas si je me barre au bon endroit. Hein. Bon. Une chose est sûre, c'est que le bestiau, s'il est capable de faire tout ça, vu le bordel que c'est... Il y a plein de chemins. Non. Foutu archer. Dans tous les jeux, les archers, c'est de la merde, vraiment. Ouh là là, on va essayer de pas tomber. Mais moi, dans tous les jeux, qu'est-ce qui me casse le plus les bonbons à chaque fois? Les archers.
encore mieux. Oh putain. J'ai pas vraiment bien fait de venir par là. Hop. Alors, le Simorgue est la justice et la mesure de toute chose. Depuis les plaines du Fars jusqu'à la vallée du Nil, l'ombre protectrice de son vol majestueux tempère la chaleur prodiguée par Mitra. Les épis de blé, d'orge, d'égilopes et d'engrains blondissent sans s'assécher, les moissons sont prospères et nourrissent le peuple, tandis que ses ailes sillonneront le ciel de Perse, le bonheur et la prospérité régneront. Ouais, bah, encore une fois, j'ai l'impression qu'il protège plus grand chose. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux ici pour une enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Je connais cette citadelle mieux que personne. Ouais. À chaque recoin, je peux me faufiler là où personne d'autre ne va. J'ai déjà parlé et discuté avec chaque créature. Et je connais tous les arbres ici. Comme celui-là? Ils sont tous comme ça? Ceux-là sont spéciaux. C'est des arbres wak-wak. Leur attrait est absolument pur. Il suffit de se mettre sous leur frondaison pour restaurer son énergie. On trouve des arbres wak-wak un peu partout au Mont Caf. Dis-moi, tu as l'air de savoir tout ce qui se passe ici. Nous sommes à la recherche de soldats comme nous. Notre prince est mené par Anaït. Est-ce que ça te dit quelque chose? Un prince? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de prince par ici. Je n'ai vu que toi. En tout cas, si tu cherches un de tes amis au Mont Caf, alors il te faut un œil du vagabond. C'est quoi? Un objet très rare et très ancien. Tiens, pour toi. Très rare, très ancien, et elle l'a dans la poche. D'accord. Ah, vas-y. Permet de cartographier. Essaie. Donc maintenant... Donc on peut mettre des marqueurs et tout. Donc maintenant on a une carte, ok. Je t'ai pas montré comment te rappeler de certains lieux où tu vas passer. C'est quand vous aurez trouvé une nouvelle capacité. Ok. Utilisez les fragments de mémoire pour capturer une image de l'environnement qui sera automatiquement enregistrée sur votre carte. Ok. Donc ça, c'est quand tu... Merci beaucoup, petite. Je connais même pas ton nom. Je m'appelle Fariba. Et toi? Sargon. Je suis un guerrier. Un immortel. Rien que ça? Alors... Sargon, c'est sûr qu'on va se recroiser au Mont Caf. Je partagerai mes découvertes avec toi. Mais elle, du coup, elle se balade là-dedans tranquille. Il y a tous les gens. Il y aura des cristaux de temps. Des cristaux de temps. Bienvenue au Mont Caf. Il y a tous les mecs qui sont passés par là. Ils se sont fait zombifier. Là, je sais pas quoi. Et elle se balade là-dedans tranquille. Il y a pas de problème. Bah écoutez, et puis là, elle a traversé ça, pareil. Tranquille. Oh, l'enculé. Avec l'autre, là, je vais mourir. J'ai déjà utilisé ma potion, vous vous rendez compte? Non, j'allais dire ce mur, ça sent la merde. Là. Il y a le temps, en vrai, il y a le temps, mais...
faut pas traîner. En fait. Ouais, c'est chaud quand même. Faut pas trop traîner. Moi, je me suis déjà fait éclater une partie de ma barre de vie et ma potion. Par contre, j'avais dit qu'on s'arrêterait bientôt. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est rempli de connards, là. Bah ouais, là. Je me suis fait poutrer en haut et en bas en même temps. On va s'arrêter là-dessus, écoutez. Sur une belle mort. Donc, écoutez, on se laisse là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Attendez, j'arrive pas à trouver mon truc. À la prochaine. Salut à toutes et à tous.